gentlemen, this is your captain speaking. Petite musique d'ambiance, tout se passe bien. J'ai une pensée émue pour tous ceux qui regardent la vidéo en ce moment, qui sont peut-être peut-être au travail, peut-être dans leur chambre, en tout cas pas dans un endroit qui doit être spécialement paradisiaque. Ça s'appelle Jatiluwi. Contrairement à Tagaylalang, où c'est de l'hypertourisme débordant qui peut un petit peu freiner le bonheur pur, là ici, il n'y a quasiment personne. Il faut dire que c'est loin de tout. Donc ça peut décourager certaines personnes moins vaillantes que d'autres. Là ce matin, j'ai enfourché mon petit scooter à 7h et puis je me suis fait plaisir pour venir jusqu'ici. Et franchement, le plaisir, je vous avouerai que je ne le boude pas, que je vais au moins rester 2 bonnes heures dans ce lieu. Il y a toujours le charme balinais, les rivières. Elles sont énormes. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que Tagaylalang, par exemple, était beaucoup. C'était l'une des plus grandes. Là, ici, ça fait 4-5 fois Tagaylalang. C'est grandiose. Il y a des rizières en terrasse à perte de vue. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le bonheur. Alors, en plus, ils vous mettent la petite musique qui va bien avec et tout. Ils sont au top. Là, franchement, bravo à Jatiluwi. Le seul petit bémol, c'est que quand vous arrivez, vous avez une petite taxe. Je pense que c'est une éco-taxe, en tout cas je l'espère. Et que vous payez 40 000 roupies, donc l'équivalent de 3 euros. Et ensuite, vous avez accès à ce domaine qui est grand, grandiose, magnifique, pur, authentique. Je vais essayer d'en rajouter. Non, franchement, c'est une réussite totale. Quand vous venez à Bali, vous cochez ça sur votre petite sur votre petit planning des choses qu'il y a absolument à faire. Là, Jatiluwi, je rembourse ceux qui ne seront pas satisfaits. Il y a différents itinéraires, vous choisissez suivant votre degré d'implication, on va dire, dans les rivières. Si vous avez vraiment envie de vous y passionner, vous pouvez y rester plus de 2h30. À voir de fond en comble tout ce qui s'y passe. Vous avez également des sortes d'ateliers où vous pouvez vous arrêter, voir les gens cultiver ce riz. C'est super bien foutu. J'ai du mal à m'en remettre parce que le domaine est tellement vaste. C'est à perte de vue, ces terrasses de riz. Et puis, vous devez peut-être le voir là, voilà, tout est bien fait. Vous avez le petit chemin. Il est super mignon. Vous avez à côté les petits cours d'eau comme ça qui viennent alimenter les rizières. C'est parfaitement entretenu. Franchement, c'est magique. Vous êtes là-dedans. Je suis vraiment scotché parce que jusque-là, je vous dis, déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce spectacle-là. Je pensais arriver dans un endroit plus ou moins éloigné de tout et donc également un petit peu éloigné des attentes touristiques. Mais non. Et puis derrière, vous avez la montagne. Il y a un cadre exceptionnel, incontournable ici. C'est sympa Cette petite balade, elle est de plus en plus appréciable. Vous arrêtez, il y a les gamins qui sont là. Ils ont déjà vu des caméras, mais ils sont curieux, ils viennent à vous. Je leur ai fait un tout petit plaisir, je leur ai collé le drone dans les mains. Ils étaient très contents. Ils ont fait leur baptême de pilotage, voilà. Et puis moi, ça me coûte rien et ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Franchement, ici, c'est trop, c'est vraiment trop, c'est exceptionnel. Puis c'est beau surtout, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, cette petite visite, elle réserve plein de surprises et que des bonnes surprises. Petit pont, il est pas terrible. En bambou.
c'est exceptionnel. Croyez-moi, sur parole, faut venir ici. C'est une tuerie absolue. Absolue. Bon, on dit que c'est au pied du maçon, au pied du mur qu'on voit le maçon. Je me demande si c'est au pied de la rizière qu'on voit le riziériste. Ah, j'ai pas la main verte pour dessous. Mais j'en prends plein les yeux. J'en prends plein les yeux. Franchement, c'est exceptionnel. C'est beau, c'est super bien entretenu. C'est du gavage intégral. Je me demande si c'est permis d'être aussi beau que ça. Voilà. Je rigole parce que je me revois encore grincher ce matin sur mon scooter, sur les 2 heures de route qu'il y avait à faire pour venir jusqu'ici, en me disant tu fais une connerie Yann, ça doit pas être si super que ça, ça peut pas être aussi beau que ce que t'as déjà vu. Voilà, donc je me vois, j'en souris maintenant. À la vôtre les gueux. Autant vous dire que vous n'y couperez pas si vous venez à Bali. Le temple de Tanalot, qui est en bordure de mer, c'est le monument le plus fou entre guillemets que vous allez pouvoir trouver ici. Voilà. Ce qui a fait surtout sa réputation, c'est au coucher de soleil. Il y a une lumière tamisée qui rend le lieu encore plus mystique. Alors là, vous voyez, il y a des touristes, il y a des vagues. C'est à la limite de la dangerosité pour certains. Mais bon, il y en a qui aiment bien prendre des risques. Donc, vous voyez, ils prennent des photos à râle avec des enfants. Bon. Chacun son sport. Donc, Tanalot, monument incontournable. C'est pas le Mont Saint-Michel quand même. Tanalot, si vous me demandez mon avis, c'est tout de suite oui, il faut faire. Je pense que vous n'allez pas pouvoir y échapper à la foule. Maintenant, si vous vous adaptez aussi un petit peu à la situation en arrivant il faut arriver tôt le matin, à mon avis, avant 11h. Parce que après, c'est blindé, blindé de monde. Et j'imagine que pour le coucher de soleil, ça va être 2 fois plus que ça. Donc, mais ouais, c'est surprenant, c'est beau. C'est original, ça vaut le détour, tout simplement. Voilà. Et puis en plus, avant d'arriver à Tanalot, bah vous avez des paysages assez sympathiques à voir, évidemment des rizières, en veux-tu en voilà, mais il y a également plein de magasins d'art. Vous pouvez vous arrêter sur la route, vous pouvez tout négocier, et surtout les prix sont beaucoup moins chers. Plus vous vous éloignez des grandes villes, et en fait, moins les prix sont chers. Donc, c'est un petit peu partout pareil dans le monde. Mais ça serait bête de pas en profiter parce qu'il y a vraiment des super affaires à faire.